Salutations voyageurs, nous nous retrouvons sur Lord of the Fallen. Dans l'épisode précédent, nous avons vaincu la bête. Nous avons vaincu la bête. Et dans cet épisode, nous allons retourner dans le monde des Rogars. Pas des regards, hein, des Rogars. Le Rogar. Et nous allons les exterminer, tous. Tous, jusqu'au dernier. Mais avant, avant d'exterminer les Rogars, on va aller voir les soldats qui ont déserté. Et négocier avec eux pour avoir une preuve comme quoi ils sont morts. En échange d'une récompense, bien sûr. Sinon, je les tue. Soit ils me récompensent et... en gros, je veux deux récompenses. Une récompense pour les avoir sauvés et une récompense pour les tuer. Globalement. Je veux double loot. Voilà. C'est qui le patron? À un moment... Il faut affirmer... sa dominance. Non, c'est pas par là. Non, ça s'ouvre toujours pas, ok. Plus tard, du coup. Plus tard. Toujours plus tard. C'est un bon kill, ça. Ça aussi, d'ailleurs. Écartez-vous, minable. Je ne fais que passer. Ah là, parfait. Là, je crois que j'y suis déjà allé. Ouais, je crois que j'y suis déjà allé. J'en suis quasiment sûr. Par contre, ça me fait un peu peur le fait que de temps en temps, il n'y a pas le bruit quand il me frappe. Alors là, j'y suis pas allé, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oh non, c'est un endroit comme ça. C'est un endroit comme ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai vite changé d'avis, hein, quand même. Mais j'aime pas les trucs dans l'ombre et il faut chercher le coffre à l'infini, suivre la lumière, c'est chiant. Je pensais que ça allait être une arène. Si c'était une arène, je la faisais, mais là, non. À la limite, je la ferais dans mon coin, mais... c'est très chiant, hein. J'ai combien d'XP sur moi? 25 000? Pas mal. Ça commence à faire un bon paquet. Hein. On va les utiliser. Hein. Ok, je gagne un dégât ou alors... Vas-y, on va mettre un peu de PV. Direction le monde des Rogars. Pour vaincre les lords. Les lords, c'est les boss un peu des regards. Pas un peu, hein, totalement. Je mets des précautions oratoires là où il n'y a pas besoin. Ah. D'accord. Ah bah, en voilà un de boss. Je me disais aussi qu'il y avait un boss ici, hein, d'ailleurs. Ouais, il est pas là pour rigoler, lui, ça se voit. C'est marqué sur son front. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour détruire. Alors, eux, ils donnent des cœurs, tant mieux. Ah, dommage, dommage, dommage. On a pris tarif.
On a pris tarif, mais en même temps, il faut tuer ce truc-là avant. Pour justement éviter qu'il récupère des PV. Un cœur de tyran. Meurs. 1000. Ah, dommage. J'ai perdu mon pourcentage en mettant mes clés. Enfin, mes clés, mon XP. Vous m'avez compris, je pense. Parfait. Première fois que j'esquive les dégâts de ce truc. Comment on se retrouve... Ah, y a pas les voix. Y a pas les voix. Bon, pour l'instant, c'est pas très grave. C'est pas très grave vu qu'on va pas faire le boss immédiatement. Oula! Ah! Hé, hey, Arkin! Ah, vous êtes toujours en vie! Bon, écoutez, je vais passer le dialogue. Navré, hein. Navré, mais en même temps, c'est pas de ma faute, hein. C'est vraiment pas de ma faute, c'est juste le jeu. Je sais pas pourquoi. Ça a sauvegardé à quel moment? Ça a sauvegardé avant que je farme. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Attends, j'ai combien de PV? Ouais, ça a sauvegardé avant que je farme. Dommage. Ce jeu, c'est de la merde. Je suis en colère. Subissez ma colère. Est-ce que... Ouais, c'est ça que je veux voir. L'atelier. Est-ce que ça a sauvegardé l'atelier? On va aller voir. Bonjour, monsieur. Ah, et en plus, le son est pas revenu, hein. J'ai perdu... Alors, en gros, j'ai perdu... J'ai perdu un level pour rien. Pour rien. Bon, on va aller sur place et une fois que je suis sur place, je vais relancer le jeu. En gros, je vais quitter le jeu et, revenir. Navré, hein. Vraiment navré. Mais t'es sérieux à me suivre jusqu'ici, toi? Je sais pas ce qu'il a le jeu à bugger comme ça. Je vais sauvegarder juste avant d'entrer dans le mont Rengar et je vais sauvegarder, quitter le jeu et relancer. Malheureusement, quand je quitte le jeu, ça arrête la vidéo. Du coup, c'est chiant. C'est chiant, ça me donne du montage à faire. Et je suis un gros branleur. J'ai pas envie de faire du montage. Enfin, du montage. Au lieu de deux cuts, j'en ai trois à faire. Et ça m'énerve. Meurs en silence, voyons. Respecte-toi. T'es pas censé faire du bruit comme ça. Oh oui, là, je me fais plaisir. Hein. J'ai envie de me battre avec lui, là. Parce qu'il est gratuit. Ah, dommage. Dommage. Eh ben. C'est énervant quand on touche pas, voyons.
Après, en vrai, j'ai pas perdu tant que ça, hein. J'ai perdu 10 000 XP. Du coup, vous vous dites, mais t'as pas farm longtemps si t'avais que 10 000 XP. En effet. Je crois que j'ai farm... un truc comme 10 minutes, c'est tout. Aïe aïe aïe. Ça me fait mal au cœur. Aïe aïe aïe, monsieur, vous me faites mal. Voilà, tu payes. Encore dommage, on se fait dominer. Voilà, apprends ta place. Apprends à connaître ta place, minable. Voilà, regarde, là j'ai fait 4000. En gros, il y a 6000 que j'ai perdu. Mais c'est très rapide à faire, hein. Du coup, en vrai, c'est pas grave. C'est juste le son qui m'énerve. Je boude. Je suis boude. Je suis la bouderie. Oh, il y avait du loot. Ah mais oui, du coup j'ai perdu les runes scellées aussi. Ah et en plus j'en avais une légendaire. Aïe aïe aïe. En vrai c'est ça qui fout le seum. C'est pour ça que je devrais avoir le seum en vrai. Et pas pour le reste. Ne me touche pas, minable. Toi non plus. Ah, il m'a pas écouté. Bizarrement, il m'a pas écouté. Ouais, j'ai pas perdu tant que ça. Bon. Petite ellipse, je reviens. A tout de suite. Désolé. Normalement, là, il y a les voix. S'il y a pas les voix, je chie par terre, hein, par contre. Le caca tout mou par terre. Une petite diarrhée par terre, bien sûr. La diarrhée de l'ambiance. Alors attention, hein. Bon déjà c'est bon signe, il n'y avait pas ce son pendant le travelling. Oh, un boss. Inattendu, n'est-ce pas? Tellement inattendu. C'est pas comme si on l'avait déjà vu. Coucou. Tu veux voir ma grosse épée? Moi je vais te montrer ma hache. Toi tu me montres ta grosse épée. Mais il en a deux. Je parle pas de celle-là. Tiens. Donne-moi ton cœur, bébé. Je te donnerai mon corps. J'en veux pas. Les femmes. Petite clé. La petite clé de l'ambiance. Ah, j'ai cru que j'allais esquiver, mais non. Est-ce que j'ai encore mes runes ? Est-ce que j'ai encore mes runes? Oui, j'ai encore mes burnes. Mes runes, pardon. Voilà, ce youtubeur a une certaine maturité. Une maturité qui ne lui fait pas défaut, bien sûr. Mais je vous jure, le jeu était pas bugué, hein.
À l'époque de sa sortie, du moins. Bon, après, c'est parti en couille, hein, comme vous avez pu voir. Ça donne quoi, celle qui est équipée, là? En fait, il avait déjà celle-là, c'est ça? Par contre, j'ai pas eu autant de chance, hein, j'ai pas eu la légendaire. Vas-y, hop, j'abandonne. Des bisous, je m'envole. Arkim, vous êtes toujours Ah. là. Écoutez, mieux vaut éviter le monstre de cette arène. Utilisez le passage secret qui traverse cette tour. Et venez me retrouver à l'endroit où vous avez combattu ce démon tripode. Faites ça et je vous montrerai ce que j'ai découvert. Écoute, je vais me battre contre lui. Tu ne mourras pas. En fait, moi, je veux me battre. Il n'y a pas de... Ouais, tu peux l'esquiver. Non. Moi, je veux me battre. Ah, merde. Pardon, je savais pas. Ok, c'est un mage à ninja. Le gardien. Ah. Ok. Je veux me battre. J'ai pris 3 gifles. 3 gifles. Et pas des moindres, hein, des belles. Hein. Bon allez. La vengeance est un plat. Ok, il m'a raté. Ok, je lui ai mis une gifle. Bon, en échange, il m'a mis 3-4 gifles. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Bah, le boss a de la latence. Ce boss qui a de la latence, quoi. Il m'a touché malgré mon bouclier, c'est pas grave. Hein. Heureusement, je peux rancunier. La grosse gifle. Nice. Très heureux d'avoir raté ma grosse gifle. Très, très heureux encore une fois. Et il me touche avec de la latence. En vrai, c'est vrai, j'ai le clone. À moi. Ok, parfait. La magie. C'est bien, j'ai cru qu'il allait rester sur place, mais il a bougé. Après, on va pas lui en vouloir parce qu'il bouge. Il se défend, le mécréant. Ah, d'accord. Pour rappel, vous vous faites toucher une fois, vous prenez full combo. Hein. Vous vous faites toucher, vous êtes dans l'animation, du coup vous n'avez pas le droit de rouler. Ce jeu est génial. Voilà, j'ai encore pris la full sauce. Merci. Ah oui. Heureusement qu'il a pas continué, hein, parce que j'avais pas le droit d'esquiver globalement. Vous êtes chiant, monsieur. Tiens, prends ça. Ça, c'est quand même l'arme des lâches. Et moi, je l'utilise.
Ah ouais, d'accord. Je déteste ce jeu. Chaque fois qu'il me touche, je le déteste de plus en plus. Bah oui. Où est les gifles? C'est bon, on a réussi à lui mettre une gifle. Je suis heureux. Je suis un homme comblé. M'en faut pas beaucoup, hein. Allez, on esquive. Sinon, je suis mort. La gifle. On lui a mis deux gifles, hein. Ah. La troisième. Non, t'as pas le droit. Ok. La gifle. Dommage, il m'a touché de dos. Aïe. Ah d'accord. Ah d'accord. Voilà. Ma puissance ne fait qu'augmenter. Je suis un dieu. Un dieu carrément. Oui. Oui, oui, oui. Ok, épée courte, on peut pas la mettre, hein, je sais. Je regardais juste s'il n'y avait pas une arme à deux mains meilleure que la mienne. Ok, on va mettre... On va mettre des dégâts. Non, on va mettre des points de vie, parce que à chaque fois, on est dans la merde en termes de PV. Alors, l'aile ouest. Où est l'aile ouest? Ouest, ok. J'ai une clé pour ici. On va chercher l'endroit où mettre notre clé. Et là, ça doit être là. On se glisse par derrière et on surine cette... Hé, hey, regarde qui voilà. Où est le troisième? Oh, ah oui, lui, le troisième. Il y est resté, le pauvre. On a voulu. C'est vrai que je leur avais donné une potion. Un peu filandreux. Les regards sont plus tendres. Essayez donc. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on a réussi à trouver de quoi manger. Un regard. Vous délirez. Il faut que vous partiez d'ici. Sûrement pas. C'est notre nouveau chez nous. Mais le monstre géant dans l'arène commence à nous taper sur le système. C'est pour ça qu'on va tuer cette vermine géante. Mais je l'ai déjà tué. Tuer le Lord? Bonne idée. Faites donc. Il est déjà mort. Pourquoi attendre? Allons-y. Ouais, allons se le faire. Il est déjà mort. Le jeu, il est déjà mort. Le jeu a pas l'air au courant.
Ils sont où? Ils sont peut-être repartis là où on les avait croisés. D'ailleurs, pourquoi le jeu m'a pas laissé l'option de les tuer ou non? D'accord. Plus tu me touches, plus tu m'agaces, hein. Ok, ils sont pas revenus ici du coup. On va aller voir la fille. Il me semble qu'elle est par là. Elle a dit qu'elle m'attendait près de là où il y avait le premier boss. Ah bah ouais. Plus d'énergie du coup, pas beaucoup de dégâts. Ok, là on peut aller là. Mais on va d'abord aller voir la fille, la voleuse. Je sais plus son nom. Je l'appelle la voleuse, mais c'est pas son nom, si. Ok, ça c'est là. Ne vous inquiète pas, je vais retrouver le chemin. Ah bah elle est là-bas. Je regarde bien autour. Enfin, vous me faites l'honneur de votre présence. Vous vouliez me montrer quelque chose? Oui. L'endroit que je cherche doit être derrière cette porte. Si j'arrivais à entrer, je pourrais découvrir pourquoi le grimoire d'ascendance m'a conduite ici. Eh bien, ouvrez. Comme si je n'avais pas essayé. Ça ne bouge pas d'un pouce. Voyons ce qu'on peut faire. Bonne chance, alors. La chance n'a rien. Moi, je peux ouvrir, hein, normalement. Voilà. Pourquoi je regarde en bas? J'ai assez de patienter. Bah, c'est ouvert. Bonne chance. La chance. Les PNJ sont débiles, hein, dans ce jeu. Après, c'est pas de leur faute, globalement. Mais je vous jure, le jeu était pas bugué à ce point-là. Il était pas bugué du tout, d'ailleurs, quand j'y ai joué la première fois. Ah bah oui, maintenant il renvoie les dégâts. Voilà, il m'a renvoyé ça. Non, il renvoie toujours les dégâts. Là, je crois qu'il renvoie plus les dégâts. De toute façon, on va être vite fixé là. Soit je me one shot, soit je le tue. Si je meurs... Non. Ok, tant mieux. J'ai cru qu'il allait le remettre avant que je tape. Hop là, c'est à moi ça. Ok. Ça y est, Arkin, ça y est, j'ai enfin compris. Cet endroit, le savoir, c'est cet endroit tout entier. Ce grimoire que ma famille m'a laissé à sa mort, c'est une carte. Depuis le début, c'était une carte et je vais enfin pouvoir la lire. Je brûle, il faut que je déchiffre ça. En attendant, tâchez de découvrir ce que cache cette grande porte. La réponse doit se trouver quelque part dans cette tour. Bah d'accord. Faites tout le travail pendant que je fais semblant de lire. D'accord, madame. Ça me va, hein. Ça marche qu'avec la magie, j'imagine. Ah. Joue d'or. La magie. Ouais, voilà, qu'avec la magie. Tout pour me plaire, hein. Ce jeu a tout pour me plaire. Je
On va patienter, hein, vous inquiétez pas. J'ai bientôt assez de mana, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai assez de mana. Adieu. Ouvre. Non, il a pas envie. Ah. J'ai marché sur une mine. Une mine du Moyen-Âge. Il est où l'archer que j'avais vu là? Oh mais non, mais stop. Au bout d'un moment, stop, hein. Moi, je suis pas un mage. Hein. Veuillez me laisser en paix, monsieur. Bien joué. Encore deux. Hein. Bon, en attendant, on va aller se battre avec autre chose. On va aller se battre avec lui, là, le temps que ma mana remonte. Il est passé où? Ah voilà. Bon, on va attendre que ça remonte encore un peu. Qu'est-ce que je suis beau, hein, quand même. Dans mon armure, je suis magnifique. Hein. Et voilà. Aïe aïe aïe. Vous inquiétez pas, hein, je vais trouver la solution à mes problèmes. J'entends un bruit, hein. C'est un mécréant. Encore un fantôme, ok. On va tuer le fantôme. Même si on n'a pas encore assez de mana pour ça. Ok, il s'est TP en bas, pourquoi pas. Hein. C'est un fantôme, hein. Ça veut pas dire qu'il est intelligent. Les fantômes peuvent être idiots. On est stun, mais c'est pas bien grave. Ah merde, je savais pas que c'était une attaque. Il y a des bruits, hein, mais je sais pas d'où ça vient. Clé du coffre, parfait. À celui qui s'est battu pour vous. Pour nous, pardon. Ah. La mine. Une mine. Pourquoi tu me rends pas mes PV? En temps normal, il me rend mes PV, mais là, il a pas envie. Le jeu me déteste. Ok, on peut encore monter là. Voilà. Du balai. Du balai minable. Une arme d'ast. De toute évidence,
Les runes sont comme des fantômes qui voyagent entre les dimensions. Elles forment des liens qui transportent les pouvoirs d'une dimension à une autre. Une rune peut conférer aux objets les plus ordinaires un pouvoir défiant l'entendement. Mais je dois prendre garde. Ce sont des objets dangereux. D'accord, monsieur. Un plaisir de vous entendre, vous avez une belle voix. J'aimerais avoir une voix aussi belle que lui. Et en vrai, si j'avais une voix comme lui, je pense que mes vidéos seraient très regardées. Hein. Il faut avoir une belle voix hein, pour être regardé sur YouTube. Et ma voix, je l'aime pas du tout. En tout cas, quand moi j'écoute ma voix, je trouve que je suis insupportable. Hein. On va quand même pas mourir, hein. Faut pas déconner. On va quand même pas mourir, hein, voyons. On va quand même pas se faire tuer par un mob qu'on a trichoté la dernière fois, quand même. Hein? Ah, les fantômes. Plus jamais. Je l'ai quand même tué la dernière fois très facilement. Hein. Dans la vidéo d'avant, aucun problème. Hein. En deux coups, littéralement. En deux combos plutôt. Bon, j'ai pas le choix, je vais sortir le bouclier. Je vais le prendre au sérieux. Soit honoré, minable. Quoi? Ah bah ouais, le fantôme m'a suivi, bien sûr. Ce serait pas drôle, sinon. Voilà, j'ai une idée. Bah oui. Ce serait pas drôle, sinon. Bah oui, deux mines en plus. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Là c'est le fantôme qui m'a tué. Le fantôme m'a vaincu. Moi. Le grand héros. On se casse. Hein. J'en ai assez vu comme ça. Ok. Il y a certainement un boss pas loin. Hein. J'ai entendu hein, le mec derrière. Oh. Ton cœur est où? C'est ça le plus intéressant. C'est son cœur. Où est ton cœur, mon ami? Ok, son cœur a l'air bien caché. Ok. Alors où est le cœur du machin là? Ah dommage, j'ai cru que j'allais esquiver facilement. Montre-moi ton cœur. Ah putain, je suis passé à côté en plus. Hein. Ah dommage. Ah celle-là tu vas pas y échapper. Hein. Tyrannie.
Bon bah let's go hein. Ça s'ouvre pas, ok, j'imagine il va s'ouvrir quand j'aurai tué le boss de la zone. Ah, en plus il en reste qu'un, l'exterminateur apparemment. Mais... t'es sérieux, le jeu... le jeu se fout de ma gueule. Comment ça? T'as pas le droit. Une grande gemme. Légendaire? Non. Je m'en doutais qu'il allait exploser. C'est lui l'exterminateur? Ou alors c'est mon futur forgeron? C'est possible que ce soit mon futur forgeron. Hein. Ouais, je suis en train de le libérer, c'est une bonne idée en plus. Non. On va partir. Vers où, je sais pas, mais on va partir. Je m'en vais. Oula, je sais pas pourquoi je suis tombé comme ça. Je suis déjà venu ici, hein. Ouais, je suis déjà venu. Là, normalement, il y a le mec... il y a un mec chiant pas loin, normalement. Non, 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 c'est pas là. Où est le mec chiant, déjà? Qui me demande les cœurs, justement. Non, les crânes. C'est les crânes qui me demandent, lui. J'entends des bruits de bottes. Ok, là il y a un truc de cœur de... oh ouais, je l'avais même pas vu. Hein. Il y en a deux. Hein. Alors où est son deuxième cœur? Enfin le deuxième cœur, le cœur de l'autre là. Il est là-bas, je l'ai vu. Je l'ai vu. Bon allez, venez t'attaquer. C'est marrant qu'il a pas fini son combo. Bon, on va prendre le fusil, j'ai pas le choix, je crois. Bon, il y en a un qui a pris le tarif. Voilà, la parade est pas restée forte. Voilà, un de moins. Et voilà. Mâchoire. Très bien. Oh, j'ai eu justice. Justice pour... c'est une épée à une main, ça? Sérieux? Une épée à une main qui est meilleure que mon truc à deux mains, là? Ok, j'ai fini le jeu, du coup. Ah, autant vous dire, avec une épée aussi petite, là, et être aussi rapide, ça va vous choquer, hein. J'ai pris l'habitude d'être méga lent, là. Si en plus elle fait plus de dégâts que mon machin, là, j'ai gagné, hein. Ouais, j'ai fait demi-tour. Ah, c'est là-bas. J'aimerais bien l'essayer comme ça aussi. Ah, même demain, en vrai, comparé aux autres jeux, il est un peu lent. Hein. Ok. Non, ok, il est rapide quand même.
Il est rapide un peu quand même. Faut pas déconner. Non, c'est pas là. En gros, je veux voir le mec des crânes. Et je sais qu'il est pas loin d'ici. Mais le problème, c'est que je suis perdu. C'est pas là par hasard ? Là, il y a le forgeron. Non. Non, c'est pas le forgeron. Je suis débile. Il est où le mec des crânes? Il m'énerve. Je vais le trouver, je vais le tuer. Ma première action en ayant trouvé cet individu, je vais le tuer. Littéralement. Alors, je regarde vite fait ce que c'est. S'il te plaît. Voilà, parfait. Si c'est un truc dans le noir, je le fais pas. Hein. Bon, c'est des coffres. C'est dans le noir, mais c'est des coffres. Du coup, on le fait. Hein. Bouteille vide. Incroyable. Codex, ok. Épée lourde. Il est où Codex? Ok, elle est là. En vrai, il y a des belles armes dans ce jeu. Ça veut dire quoi, échelle d'attribut plus 3%? Aucune idée. Ok, parfait. Bon, je sais pas à quoi ça correspond. L'échelle d'attribut. Est-ce que c'est genre, si j'ai 100 d'attribut, du coup 3%, ça me donne 3 de force? Un truc dans ce genre-là. C'est de la merde. C'est de la merde, sauf si c'est 10%, tu vois. 10%, ça commence à être acceptable, là, tu vois. Ok, je vais jamais le trouver, laisse tomber. On abandonne, enfin, j'abandonne. Bon, par contre, maintenant, il faut retrouver notre chemin. Ok, c'est là-bas. C'est pas grave, hein, y avait rien. Y avait 500 XP, là j'en ai combien? 3000 alors que j'ai rien foutu. T'en repop toi? Ah, bien joué, tu m'as infligé 3 points de dégâts. Putain, je me suis infligé. J'ai failli mourir. Je me suis moi-même infligé 90 points de dégâts. J'avoue, ça m'a fait paniquer quand j'ai vu les dégâts s'afficher. Est-ce que... Non. Est-ce que cette épée est magique au point de faire des dégâts aux fantômes? Et la réponse est non. Partir. Ok, nice. 50. Putain, ils font des dégâts de ouf, ces fantômes à la con, là. Bon, on a retrouvé les lieux. Petit coup de pied, bien sûr. Petit coup de pied humiliant.
Voilà. Faut trouver le moyen d'aller de l'autre côté. C'est de là qu'on vient, non? Ouais, c'est de là qu'on vient. C'est de là que nous venons. Ah, c'est lui qui s'est battu. Ok. En fait, il dit toujours la même chose, c'est ça? Ouvre-toi. Bonjour monsieur, il m'a pas vu. Petite rune. J'ai vu, vous inquiétez pas. Petit loot. C'est moi où il allait exploser trois fois là. Une fois ça suffit, voyons. Ouais. Ouais. Pourquoi je suis venu ici vu que ça sert à rien? La porte là-bas est bloquée. Il n'y a pas d'autre porte, ok. Vraiment très heureux d'être venu. J'ai vraiment raté ça? Bon, la réponse est oui. Hein. Mais lol. Regardez les dégâts de cette arme. J'étais déjà over-cheaté avec l'épée, alors lol, laissez tomber. Hein. Les ennemis vont se... Alors là, on y est allé. On y est allé. La mine, classique. Non mais laisse-moi passer, t'es un fantôme, t'es censé ne pas... Pourquoi je peux pas l'utiliser? Pourquoi ce gantelet-là, je peux pas l'utiliser? Du coup, je suis obligé de rééquiper l'autre. Hein. Cours mana. Ah ouais, d'accord. Cours mana 84. Voilà, maintenant on attend. Franchement, c'est très le fun, hein, ces ennemis-là. J'ai eu peur. Hein. Bon. Arrête d'exploser, une fois ça suffit. Ouais, en gros, il faudrait que je vais là, vu que là, il y a un... Il y a un mec. Que j'ai pas vaincu encore. Là on y a été, on va pas y retourner. Symbole étrange. C'est pas un coffre? Non, c'est des détritus. Des petits détritus. Les démons aussi ont une vie. Hein. Ils ont des poubelles. Ils ont leur propre poubelle. Parfait. Oui. Ah, quand même. Ah.
Toi, tu vas payer, toi. 12. 12 into suicide. Bon, au moins, ça fait plaisir de voir que il n'y a pas que mes alliés qui sont débiles. Eux aussi le sont. Tu viens. Oups. Est-ce que t'es immortel à ce point-là? Non. Il est mort. Ça fait plaisir de voir des gens intelligents. Parfait. Bah en fait je suis revenu au début là. Je suis là en mode parfait mais en fait non. Pas du tout. C'est pas du tout parfait. C'est pas du tout parfait, voyons. Oh, il y a une histoire. Le savoir d'Adir est éternel. L'esprit de l'homme est limité. De même que son temps. Il ne saurait en être autrement. Tel est le plan d'Adir. La société est son œuvre. Il est la société. Ah merde, il s'arrête. T'aurais pu finir ta phrase, mon pote, hein. Sans vouloir te manquer de respect, voyons. Bon, on se casse. Je crois qu'il y a un autre portail où je suis pas allé justement. Du coup, on va y aller. Mais j'avoue, je suis paumé totalement. Là, ça fait ça fait une heure que je suis paumé, hein, globalement. Bon, ça fait 40 minutes que la vidéo a commencé, du coup. Enfin non, plus les 10 minutes de la partie, hein. Du coup, ça fait 50 minutes que ça a commencé et 50 minutes que je suis perdu. Hein. Parfait. Parfait, parfait. Est-ce que le chemin est dégagé maintenant ? Non, non, il y a encore des détritus. Il va falloir, quand je vois le responsable des lieux, lui dire ouais, faut nettoyer. Hein. À quel moment il me touche ? Le jeu. Arrête d'esquiver par pitié. Voilà. Repose en paix. C'est quoi le machin en feu là-bas? Ça, je sais ce que c'est. C'est Chétanus. Voilà, c'est là où que je suis pas allé. Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai? Ah, j'ai eu le déchu qui est meilleur que ce que j'ai. Là, non. Là, oui, j'ai encore mieux. Là, j'ai pas mieux. Par contre, il faut que je mette une gemme. Ok. 51, wow. Sans comment mes roulades? Ça porte bien. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Elles sont toujours là, c'est le principal. Bah oui.
colosse, il sent. Ce que j'appelle des gros dégâts, ça. Il est beau, lui, hein. Enfin, il était beau. Légende éternelle. C'est moins bien que ce que j'ai déjà, du coup c'est de la merde. Amicalement bien sûr. Nous on n'est pas quelqu'un d'agressif, hein, on est amical. Même quand on dit que c'est de la merde. On va aller la voir en face. On va peut-être aller tuer lui là. Ah ouais. On n'a pas réussi à esquiver, c'est dommage. Bon, l'épée dernière volonté. Putain, elle est belle. Elle est belle, mais quel intérêt de la mettre vu que l'autre est meilleure, quoi. J'ai une arme à une main qui est 20 fois meilleure que celle à deux mains. Ce qui est pas logique, hein. Il devrait y avoir une arme à deux mains qui chouchoue, tu vois. Mais le fait qu'une arme à deux mains n'est pas meilleure que celle que j'ai là, c'est bizarre. Il y en a forcément une à un moment qui va arriver. Qui va être très lente et qui va faire 6000 dégâts, quoi. Peut-être pas 6000, un peu moins quand même. Putain, j'avais même pas vu qu'il y avait une entrée là, quoi. Aveugle. Et on est en face là? Oui. Bon, logiquement, le tyran, il est pas là. Enfin, il est là, mais il est mort. Toi, je t'ai vu, hein. Tu vas pas réussir à m'échapper, je te le dis. On va y aller, hein. Entrée de la chambre. La chambre à coucher. D'Adizir. Le papa est là. Papa est là, viens ici. Papa mange de la... Oula, je n'avais pas vu le trou. Allez dans le trou, s'il vous plaît. Toi, tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Hein. Mais depuis quand ils sont intelligents et qu'ils vont pas dans les trous, là? Pas permis, un truc pareil. Bah oui, mais c'était sûr en fait. Je me fais victimiser dans un coin. Dommage. Bon, on va aller chercher nos âmes. Mais non, j'étais à travers... J'étais derrière le mur. Putain, il y en a deux en fait. Ok, ça touche. Est-ce que là-bas ça touche? Oui. C'est gratuit, hein, on le fait. Hein. Il est où le mec qui était là, là? Bon, on va dire qu'il est mort. Non, on va aller chercher mes âmes avant. Mes âmes.
Bon allez, on focus les deux gros. Où sont les deux gros? Où est le deuxième? Il est en face, il est en train de pondre. C'est quand même ce truc là qui m'a tué. Hein. Aussi ouf que ça puisse paraître. Dégage. Voilà. En fait, j'ai pas été assez bourrin. J'ai été trop pacifique la première fois. C'est ce qui m'a tué. Hein. Oui, oui, oui. Où est Ok, j'ai eu deux armes, mais ils font pas le poids face à ceux que j'ai déjà. On va peut-être pas partir maintenant, je crois qu'on est revenu au début, ouais. Ouais, on est revenu au début. Ok, là on y a été, on y est allé. Là on n'y est pas allé. Et ça tombe bien, il y a un forgeron. Comme on se retrouve. Ouais mon gars. Vas-y, on claque tout. Bon, les petites ont pas un grand intérêt. Par contre là, il est temps de mettre... Mais attends, c'est fort, elle est passée à 300 points de dégâts. En fait, j'ai totalement... totalement sous-estimé la gemme. La gemme que j'avais dans ma poche, là. Attends, 100, là, combien? Admettons, je mets ça, là. 244, hein. Oh ouais, pardon. J'avais pas compris que j'étais un idiot. Est-ce que j'en ai pas d'autres? Bon, la puissance d'attaque c'est bien. Dégâts physiques c'est bien aussi. Échelle d'attribut 1%, on le met hein. 1%, combien ça fait de dégâts là? Ah non, c'est que sur les l'armure j'imagine. Où on équipe ce machin là. Ok, là c'est moins bien. Ça rend moins bien le truc. Ah mais attends, si j'enlève ma gemme, est-ce que c'est vraiment la meilleure armure? 49, ok. Là il y en a une. Et là il y en a une, ok. Alors là il y a un petit truc bleu, je vais mettre un truc violet, hein. Ah, je perds en armure. C'est pas grave. Harmonie. Ouais, mais je peux pas l'équiper. Par contre, la pavot ardente, je peux en mettre deux. Non, vous savez quoi, je vais garder mon truc comme ça. Allez, let's go. Mon arme qui claque des 300 là. On va bien s'amuser. Adil est ton seigneur. Écoute, apprends. Adir t'entendra. Adir t'aidera. Réfugie-toi en son sein. Réjouis-toi.
Réfugie-toi dans tes seins. Les dégâts. Ok, il est là. On prend son cœur. Il est où? Il est là. Faut mourir, monsieur. Hop, la petite potion. Voilà, deuxième levier. Il est libre ou pas encore? Enfin. J'ai enfin trouvé. Il faut qu'on parvienne jusqu'à lui. Venez. Vite! C'est ça, vous comprenez? La voici, la clé! D'accord, madame. Oh, mais non, stop! Au revoir! Oh mon Dieu, le temps! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Au revoir!